d'avancer. Finalement, je prends pas mon jean. Qu'est-ce que je mets alors? Et comme cravate, je mets la tête. Prends celle que tu veux, j'en ai marre à la fin. Il n'y a pas de pur sang, ton Paul, hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un bonhomme pareil? Mais ils sont tous pareils. Mais je trouve pas mes chaussettes. Normal, je les ai rangées dans le bas du frigo. Dans le bac à légumes. Vous dérangez pas? Je vais les chercher. Vous allez aller. Mais moi, je t'aime, t'es con! Je crois que je suis malade. Je crains que tu ne sois atteint de gastro-podose. Oh putain! D'autant que c'est normal que vous soyez moins jolie que Margot, vu que vous êtes beaucoup plus vieille qu'elle. Ah, j'y suis. Ça doit être mon nouveau parfum. Il m'a envoyé ici en éclaireur. Il m'a dit que ça me ferait plus grand bien d'aller prendre l'air. Toute révolte dans l'œuf et anéantir les fondeurs de troubles, et c'est bien haut.
J'essaye un peu pour voir. Quel dieu non. Allez. Jeu de cartes. Faut ménager le cheptel. Il y a que des vieilles là-dedans. J'imagine que ta décision est prise. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Enfin, mon rameau chéri, si on mange, on peut bien donner un petit quelque chose. Mathilde, tais-toi, s'il te plaît. Allez-y, je vous en prie. Et faites attention à ne pas écraser l'escargot qui est devant vous. Toute ma carrière de mère, je crois que c'est la première fois que je vais assister à un repas de noces sans marier.